Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulum Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil de sniper. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des fusils sniper de Fortnite saison 2 chapitre 3. Bien entendu, il y a des emplacements où le personnage n'y est pas, donc voilà, par exemple l'agent Genesi, il se trouve pas toujours à cet emplacement qui sont indiqués sur la map. Donc moi ce que je vous conseille si vraiment vous voulez acheter un sniper, c'est de venir ici sur le gameplay. Là c'est sûr que le personnage il ne bouge pas, donc si vous allez là, bah, vous allez pouvoir lui acheter un fusil sniper. Après vous n'êtes pas obligé d'acheter le fusil sniper, hein. Vous pouvez le trouver dans des coffres, posé au sol comme ça, peu importe. Mais voilà, si vous voulez pas vous compliquer la tâche, bah, vous allez près d'un personnage, vous achetez le fusil sniper et ensuite bah, vous infligez des dégâts avec le fusil sniper. Donc là par contre... Le fusil sniper coûte très très cher, il coûte 600 lingots d'or, mais bon, c'est une solution. Après, une deuxième astuce, moi je vais pas l'acheter parce que ben, je n'ai pas le défi à faire. Une deuxième astuce que vous pouvez faire si vous croisez un requin, ben, vous infligez des dégâts au requin avec votre pistolet laser, avec votre fusil sniper, et normalement ça devrait fonctionner. Par contre, les requins, j'ai l'impression qu'ils n'apparaissent plus autant qu'avant. Donc là, je vous affiche une map avec les emplacements des requins et les fusils sniper. Mais j'ai l'impression que les requins, ils deviennent de plus en plus rares sur la map de Fortnite. Donc c'est un peu dommage parce qu'en fait, on pouvait réaliser tous nos défis de dégâts, d'infliger des dégâts avec les requins parce que c'était compris comme un adversaire. Donc maintenant, vous serez obligé, si vous ne trouvez pas de requins, vous serez obligé d'infliger des dégâts à un vrai adversaire. Donc, c'est-à-dire... vous allez devoir infliger 500 de dégâts à un vrai adversaire pour terminer le défi. Et quand vous aurez infligé 500 de dégâts, bah là vous aurez débloqué les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulumike et ciao. Peace. Yummy, bruh.